I don't see anything live yet. Yeah, I'm
Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée, cet événement, ce webinaire spécial consacré aux élections américaines organisé par les bibliothèques de la ville de Nancy. Alors, vous le savez peut-être, cet événement devait s'organiser différemment et devait avoir lieu dans la belle bibliothèque Stanislas de Nancy, mais pour des raisons si évidentes qu'il serait inutile de les évoquer, on s'est adapté, on s'est mis à l'heure digitale, on a fait avec les moyens du bord, chacun chez soi, confiné, pour vous proposer quand même une soirée live participative. À mes soirées, à mes côtés, j'ai Loïc Ballarini qui sera là pour m'accompagner toute la soirée. Loïc, vous êtes là, vous nous entendez ? Je suis là, je vous entends très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Loïc. Loïc, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine à Metz. Vous êtes également co-responsable du master journalisme et médias numériques. Loïc est notre modérateur ce soir. Il va éplucher vos messages, chers internautes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la soirée, c'est participatif. Alors c'est sur Zoom que ça se passe, le lien est sur Facebook, sur la page Les Bibliothèques de Nancy. Attention, ce n'est pas dans le chat, c'est dans l'onglet questions-réponses qu'il faut poser vos questions. Hein.
Il y a un sondage aussi, je vais tout de suite le lancer. Le sondage, bon, j'imagine que vous le connaissez. Qui va gagner les élections américaines? 5 possibilités. Joe Biden gagne largement, Donald Trump gagne largement, ou alors Joe Biden gagne dans un mouchoir de poche, hein, on va dire peut-être à 3-4 grands électeurs près. Donald Trump gagne dans un mouchoir de poche, ou alors, cinquième possibilité, égalité. Figurez-vous que c'est possible. On va vous expliquer comment et pourquoi. Moi, je me présente, je suis Gabriel Bertrand, journaliste. Vous pouvez me retrouver tous les mois dans les pages du magazine franco-américain France-Amérique, entre autres. Nous sommes ensemble pendant au moins une heure, peut-être plus, ça dépend un peu de la participation. On va décrypter ces élections si particulières avec des spécialistes. On a des Français, on a des Américains, on a même des Franco-Américains. Ils vont nous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Au menu, d'abord, on va aller à Cincinnati. Cincinnati, c'est la ville jumelle de Nancy depuis 1991, et c'est pourquoi on va s'intéresser tout particulièrement à cet État du Midwest, très important dans ces élections parce que c'est un swing state, un état pivot en bon français. On sera en direct de la bibliothèque publique de Cincinnati en partenariat avec les amis de la bibliothèque américaine de Nancy et Cincinnati Nancy Sister Cities, le comité de jumelage. On aura l'occasion d'échanger à Cincinnati avec Jeanne Strauss de Groot, qui est bibliothécaire, elle est française, elle est franco-américaine, elle habite à Cincinnati depuis 12 ans je crois. Elle va nous expliquer comment fonctionne ce système électoral américain si particulier. Elle va nous expliquer voilà, les grands électeurs, le cortège électoral, les swing states, etc. On va tout comprendre. Ensuite, toujours depuis la bibliothèque publique de Cincinnati, on aura l'honneur d'accueillir Andrea Carter. Elle est citoyenne américaine, elle est journaliste au Cincinnati Herald. Elle est très au fait de la politique aux États-Unis. C'est un honneur de l'avoir ce soir. On analysera ensemble la situation dans l'Ohio, l'État de Cincinnati, je me répète, très important, si ce n'est décisif, dans ses courses à la Maison Blanche contre Joe Biden et Donald Trump. Et puis enfin, on ira également à New York rejoindre notre correspondant Alexis Buisson. Alexis est journaliste français, il est installé aux États-Unis depuis 13 ans, il est correspondant pour La Croix, pour Le Point, pour Mediapart. Il est allé prendre la température, je crois, dans les bureaux de vote ce matin. On aura avec lui l'occasion de décrypter plus globalement la situation. La nuit américaine live, c'est parti. On va d'abord, en guise d'introduction, dire que cette élection, elle est particulière. C'est l'élection de tous les records. D'abord, c'est le record des sommes dépensées. C'est 14 milliards de dollars dépensés pour la campagne présidentielle et sénatoriale. Hein. Ce n'est pas juste les présidentielles qui se jouent. 14 milliards, c'est le double des élections précédentes en 2016, en sachant qu'en 2016, c'était déjà un record. Un autre record, l'âge des candidats, les vieux, Joe Biden, 77 ans. Donald Trump, 74 ans. Jamais on n'avait eu des candidats aussi vieux. Un autre record à confirmer, mais qui est probable, le record du taux de participation. Un autre record encore, le nombre de votes par correspondance. Évidemment, dû au Covid-19, le vote par correspondance qui a fait énormément polémique, il y a eu beaucoup de questions à ce sujet-là. On va en parler plus précisément avec Alexis Buisson. Et aussi, ça c'est déjà une information, le record de votes par anticipation. On a déjà plus ou moins presque 100 millions d'électeurs qui ont déjà voté. Je rappelle qu'il y a 200 millions d'électeurs aux États-Unis. Donc, les votes par anticipation, c'est la plupart du temps par correspondance, mais pas que. C'est la première fois que les élections débutent avec déjà la moitié des votes qui ont été faits. J'ajoute aussi une information, je risque de vous décevoir, chers internautes. On n'aura pas les résultats tout de suite, je n'aurai pas la primeur de vous annoncer les résultats. Puisque bon, d'abord, tous ces votes par anticipation, ils sont dépouillés à la fermeture des bureaux de vote et les bureaux de vote vont fermer aux alentours, les derniers vont fermer aux alentours de 4 heures du matin, heure française. Voilà, les États-Unis, c'est grand, vous le savez, il y a 4 fuseaux horaires qui quadrillent, traversent le pays. Il y en a même. Il y en a, si on compte l'Alaska, c'est encore plus. Si on compte Hawaï, on en arrive à 7 fuseaux horaires. Donc, voilà. Tout ça pour dire, je me répète, le scrutin s'achèvera à 4 heures du matin et on n'aura pas d'informations. Peut-être les premières estimations, elles seront aux alentours d'une heure du matin.
On va tout de suite aller voir si Jeanne Strauss de Groot est là. Jeanne, est-ce que vous nous entendez, Jeanne? Je vous entends très bien. Est-ce que vous, vous m'entendez? On vous entend, il y a un petit écho. Je crois que vous êtes dans la même pièce que Andrea Carter. Peut-être que c'est pour ça. Je me permets de mute, de couper le micro d'Andrea. Voilà, on la reprendra tout à l'heure. Je crois que c'est mieux comme ça. Comment allez-vous? Your thing so that I can speak just because they're hearing kind of like the echo there. But then he'll turn you on afterwards. Yeah. Voilà, donc Jeanne, le problème est réglé. Voilà, j'en profite, j'avais oublié de le préciser. Non seulement vous avez une double casquette, non seulement vous allez nous expliquer comment fonctionne le système électoral américain, mais en plus vous allez traduire Andrea Carter. Donc voilà, merci d'être là ce soir. Avec plaisir. Vous êtes en direct de la bibliothèque publique de Cincinnati, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ici, c'est mon lieu de travail. Et donc, on est dans une très, très belle salle, en fait, ici. La bibliothèque est ouverte. Et en fait, il y a des gens qui votent aujourd'hui ici à la bibliothèque, puisqu'on y a la bibliothèque est un bureau de vote. C'est un très grand building, si vous voulez. Donc, ça a été divisé en deux. Il y a une partie où les gens peuvent voter, et puis il y a une partie où les gens peuvent toujours venir et utiliser la bibliothèque. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez activer votre caméra, Jeanne. Alors, j'aimerais bien, mais en fait, ça me dit que vous l'avez stoppé. C'est moi qui fais ça, moi. Alors, ça dit « You cannot start your video because the host has stopped it ». Alors, sachez que ce n'est pas du tout mon style de couper comme ça. Oh, non, il n'y a pas de souci. Mais donc, en fait, c'est ce que ça me donne. C'est, ça me dit que, en fait… D'accord. Je vais voir si je peux remettre la caméra. Alors, ce n'est pas du tout mon intention de faire en sorte que je sois le seul à l'image. Je vais essayer éventuellement de corriger ça. Comment est-ce que je peux faire? Peut-être, Jeanne, vous pouvez en attendant, pour occuper le son, nous dire quelle est la situation des bibliothèques à Cincinnati, nous parler un peu. Déjà, vous êtes ouvert, hein, contrairement à ce qui se passe en France, il n'y a pas de problème. Oui, alors en fait, la bibliothèque ici, donc ça dépend évidemment, les États en fait ont joué un rôle crucial en matière de confinement depuis le mois de mars. Mais la bibliothèque ici a rouverte depuis, donc on a été fermé en fait à la mi-mars. Et puis, peu à peu, on a rouvert depuis le mois de juillet, donc avec des capacités évidemment limitées dans la bibliothèque principale et puis aussi dans nos annexes qui se trouvent toutes réparties dans tout le comté. En fait, cette bibliothèque, il y a une bibliothèque centrale et puis il y a aussi 40 annexes, en fait, ce qui est assez rare pour le pays, 40 annexes qui sont réparties dans le comté de Hamilton, puisqu'on est donc la bibliothèque de la ville de Cincinnati et du comté de Hamilton. Donc, on est rouverte, mais avec des capacités donc limitées, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de personnes qui peuvent être là et puis le temps en fait que les gens peuvent rester en fait dans le building. D'accord. Alors, je pense que vous le savez, chez nous, en France, les bibliothèques sont fermées. En fait, pas tout à fait. J'en profite pour faire un petit instant promo. Il y a le click and collect. En fait, c'est possible. Vous allez sur le site de votre bibliothèque, vous cliquez, vous collectez. Vous allez à la bibliothèque et vous pouvez récupérer vos livres. Donc voilà, je viens de l'apprendre. Il y a même des sacs surprises avec plein d'ouvrages à découvrir pour les indécis. Si vous voulez plus d'infos, c'est sur craftnancy.fr, craft avec un K. Et bien sûr, la lecture en ligne est disponible. La bibliothèque numérique, c'est sur mosaïque.limedia.fr, sans accent, comme ça se prononce. Voilà, c'est fini avec l'instant promo. Jeanne, on va analyser. Avant d'analyser, on va éclaircir, parce que bon, c'est un peu compliqué le cortège électoral pour ceux qui ne suivent pas la politique américaine. Je vais commencer avec une citation. « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et le mot pour le dire vient aisément. » Ce n'est pas Donald Trump qui a twisté ça, c'est l'homme de lettres Boileau en 1674, mais c'est toujours aussi vrai 350 ans plus tard. Alors voilà, je vous propose de nous énoncer clairement comment ça fonctionne pour que voilà, on puisse, puisque les choses puissent venir aisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le système électoral américain ? Avec plaisir. Alors, le système électoral américain pour l'élection du président, en fait, le président est élu au suffrage universel indirect. Donc, en fait, c'est une élection à 2 degrés.
Donc, il y a les électeurs, en fait, c'est-à-dire les citoyens. Les citoyens américains, en fait, n'élisent pas directement le président de la République, mais ils élisent des grands électeurs. Il y en a 538 en tout. Et ces grands électeurs se réuniront, en fait, à leur tour en collège électoral. Ce sera le 14 décembre pour élire à la majorité absolue, donc, c'est-à-dire donc 270, le prochain président donc, du pays. D'accord. Donc, je crois que j'ai autorisé, je viens de vous donner l'autorisation dans mon immense mensuétude de commencer la vidéo. Bah, écoutez, je vais recommencer. Voilà. Ah bah voilà, super, bah, ok. Bonsoir. Donc, j'ai ma... Bonsoir, voilà, ravie. Alors, donc, j'ai un masque parce que donc on est toutes les trois donc, dans la même pièce. La pièce est assez large, mais voilà, bonsoir. C'est mieux comme ça. Donc, ouais. Vous nous disiez 538 grands électeurs. La majorité, voilà. C'est 270, c'est ça ? Le chiffre magique. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, le nombre des grands électeurs, évidemment, ça varie selon chaque État, en fait. Le nombre général, en fait, de 538, ça correspond exactement au nombre de membres, en fait, du Congrès, donc des deux chambres du Congrès aux États-Unis, c'est-à-dire le Sénat et puis la Chambre des représentants. Pour vous donner un exemple, donc ici, donc pour l'Ohio, donc on a 18 électeurs, en fait, donc pour cette élection. Ça correspond exactement donc à ce qu'il y a donc au Congrès pour l'Ohio. Donc il y a le chiffre, il y a deux sénateurs, chaque État a droit à deux sénateurs, et puis le nombre des représentants dépend en revanche de la population de chaque État. Donc 18, c'est quand même beaucoup si on compare aux 49 autres États américains, on est d'accord? Oui, oui, oui. Alors donc il y a certains États, donc le minimum en fait c'est 3, puisque chaque État a toujours donc deux sénateurs donc au Sénat, et puis au minimum donc un représentant. Donc ça fait au minimum 3 électeurs, au minimum 3 grands électeurs pour chaque État. Mais alors, pour l'Ohio, c'est 18. Dans les États les moins peuplés, il y a, je ne crois pas que ma liste soit exhaustive, mais je sais qu'il y a le Montana et le Wyoming qui donc ont 3 grands électeurs. Donc vous l'aurez compris, un représentant plus 2 sénateurs. Et l'État le plus peuplé, c'est la Californie. Donc 53 plus 2, ça fait 55 grands électeurs, c'est ça ? C'est ça, la Californie, c'est 55, ouais. Est-ce que le nombre de grands électeurs s'accorde avec l'évolution démographique ? Parce que forcément, la population évolue dans certains États plus ou moins que d'autres. Oui, oui, absolument. Alors en fait, tout ceci dépend en fait du recensement, et c'est pour ça que c'est intéressant ici aux États-Unis. En fait, le recensement prend une sorte de dimension en fait assez politique aux États-Unis, mais donc il y a un recensement donc national qui a lieu ici donc tous les 10 ans. Donc on vient d'en faire un ici en fait aux États-Unis en 2020, et donc le recensement de la population dans chaque État influe directement le nombre donc de représentants qui sont présents qui sont présents dans la Chambre des représentants, et donc directement aussi évidemment le nombre des électeurs pour les élections présidentielles. D'accord, donc on peut dire que c'est plus ou moins adapté là, on est au niveau le nombre, la population dans chaque État par rapport au nombre de grands électeurs, ça, il n'y a pas de fou. Ben là, par rapport au dernier donc recensement donc qu'on a fait en 2020, ce recensement-là n'a pas d'impact sur l'élection présidentielle de cette année. Ça aura donc une influence sur les prochaines. D'accord. Ce qui est possible, et c'est ça qui est assez difficile à comprendre, à appréhender quand on est habitué au suffrage direct, c'est qu'un candidat peut avoir plus de voix au vote populaire, mais quand même perdre les élections, ce qui est d'ailleurs arrivé il y a 4 ans. Oui, absolument. Et donc ça s'appelle la règle, ici on appelle ça le « winner takes all », de façon traduction littérale, ça veut dire que le gagnant prend tout. Et donc ce qui se passe, pour vous donner donc un exemple, c'est-à-dire que dans chaque État,
le candidat donc, qui obtient la majorité rafle tous les électeurs donc, de l'État au moment de, donc, pour le collège électoral. Donc concrètement, ça donne que par exemple, un État donc, comme la Californie, donc on a parlé de la Californie, puisque donc 55 électeurs au collège électoral, donc c'est énorme le poids donc, de cet État. Peu importe ce qui se passe en fait dans l'élection en Californie, c'est-à-dire que, par exemple, si jamais en Californie il y a donc un candidat qui l'emporte avec 50,1%. Du scrutin et puis l'autre candidat qui perd à 49,9%, ça ne changera pas le fait qu'en fait toute la Californie, la totalité des 55 électeurs de la Californie partira donc au candidat qui gagne. Et donc c'est ce qui fait que effectivement donc il y a cette situation aux États-Unis qui s'est produite donc plusieurs fois. Alors, ce n'est pas la majorité des cas hein, dans l'histoire des États-Unis. Je crois que c'est arrivé en totalité 5 fois où donc un candidat n'obtient pas la majorité du vote populaire, mais finit par gagner les élections. Tout à fait, c'est arrivé 5 fois dans l'histoire des États-Unis. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est arrivé 3 fois au 19e siècle. Ça n'est jamais arrivé au 20e siècle et c'est déjà arrivé 2 fois au 21e siècle. Donc évidemment, c'est arrivé en 2016, on en a beaucoup parlé. Hillary Clinton avait 3 millions de voix de plus que Donald Trump au vote populaire. Elle a quand même perdu les élections. Et puis c'est arrivé aussi en 2000, George W. Bush qui avait 500 000 voix de moins que le démocrate Al Gore, et tout s'est joué sur la Floride. Ils ont mis beaucoup de temps, ils ont compté, recompté, recompté, et finalement, en janvier 2001, c'est George Bush, le Texan, qui s'est installé à la Maison-Blanche. Une question que je me posais également, est-ce qu'un grand électeur peut changer d'avis, ou est-ce qu'il est obligé, est-ce qu'il est tenu de respecter sa promesse de vote ? Alors ça, c'est intéressant. En fait, il n'y a aucune disposition dans le... aucune loi, aucune disposition dans la Constitution donc américaine qui oblige en fait un grand électeur à voter conformément au résultat du scrutin qui s'est passé dans son État. Alors cela dit, et il n'y a jamais eu en fait véritablement, je crois de cas. Je crois que dans la très très grande majorité des cas, dans 99%. Plus de 99% des cas, les grands électeurs ont toujours voté conformément à ce qui s'est passé donc, au premier niveau donc, de l'élection. Et je ne crois pas que... Alors, il y a certains États qui ont des lois. Alors, le pouvoir des États aux États-Unis, c'est très, très important. Ça, c'est vraiment une différence parfois qui est difficile à comprendre quand on vient de France. C'est que les États et même les comtés, en ce qui concerne l'organisation des élections, ont un pouvoir énorme dans la tenue des élections. Donc, il y a certains États en fait qui ont certaines lois qui prévoient en fait un système d'amende et de disqualification dans le cas d'un électeur pardon qui ferait pas donc qui voterait pas conformément. Mais il ne me semble pas que la Cour suprême ait jamais eu à juger de cas comme D'accord, ça. Donc c'est vraiment très rare. Loïc, si vous avez des questions ? Une question complémentaire qui nous est posée par 702-273. Que deviennent les grands électeurs après l'élection ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose d'autre ? Non, en fait, c'est une charge en fait, qui est, on pourrait dire, très honorifique. Et en fait, c'est des gens qui sont choisis donc par les partis politiques. Alors évidemment, donc on peut pas être sénateur et puis être électeur, on peut pas être représentant et puis être électeur. Mais c'est une charge relativement honorifique. Donc on participe à l'élection et puis après, non, c'est tout. Ouais. Jeanne, si je sais bien compter, il y a 538 grands électeurs. C'est divisible par 2, 269 possible. Ça veut dire qu'une égalité, elle est possible. Ouais, complètement. C'est tout à fait possible. Alors, je crois que c'est déjà arrivé une fois aux États-Unis. Je ne peux pas vous donner exactement les détails, mais donc en 1800. Et alors, dans ce cas-là, il y a la Constitution américaine en fait prévoit que c'est la Chambre des représentants en fait qui désigne le
prochain président des États-Unis. Le vice-président, l'élection, si jamais c'est pareil, donc ça revient à égalité, il y a c'est le Sénat en fait qui s'en charge. Alors c'était ouais, effectivement c'est tout à fait possible. C'est Thomas Jefferson qui l'avait emporté à l'époque. Donc si ça devait arriver aujourd'hui, le scénario est improbable, le scénario est fou, mais donc si ça devait arriver, ce serait la Chambre des représentants qui choisirait le président, en sachant que la Chambre des représentants, elle va être renouvelée à 100%. On est en train de voter pour renouveler toute la Chambre des représentants, c'est ça? Ouais. Alors ça aussi, c'est vraiment merci parce que j'aime bien rappeler ça aussi. Il y a tout un tas d'élections en fait qui se passent aujourd'hui. Évidemment, donc il y a ce système. Donc chaque État élit les électeurs pour le collège électoral et c'est l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, il y a donc tous les États donc sont appelés à voter pour leurs nouveaux représentants ainsi que les sénateurs. Alors c'est pas tous les sénateurs, par exemple ici donc dans l'Ohio on n'a pas de sénateurs en fait qui se font élire. Les sénateurs sont élus pour 6 ans et donc il y a un tiers ici des il y a un tiers des sénateurs pour le pays qui sont élus et à côté de ça il y a énormément d'élections locales en fait qui passent aussi donc dans les élections. Donc vous savez que les États-Unis par exemple élisent leurs juges, mais par exemple quelque chose qui peut sembler donc déjà ça semble assez étrange pour les Français, mais par exemple là dans l'Ohio quand je suis allée voter il y avait une question on élit le médecin légiste en fait. Le médecin légiste, ça aussi c'est une position en fait qui est élue qui passe là dans l'élection actuellement. Il y a aussi des gouverneurs qui sont élus, pas pour l'Ohio, mais je crois qu'il y a une dizaine, je crois que c'est 10 ou 11 États qui élisent leur gouverneur aussi. Vous avez voté, vous avez eu le temps de voter aujourd'hui ou peut-être vous aviez voté en avance? Oui, alors j'ai pas voté aujourd'hui en fait. Ce que j'ai décidé de faire, alors ça aussi, ça dépend de tous les États et de tous les comtés qui ont encore une fois l'organisation absolue sur ce qu'ils veulent faire. Ici, dans le comté de Hamilton, on avait la possibilité donc de voter par courrier. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai voté par courrier à la mi-octobre. Je suis allée en fait dans le bureau des élections de Hamilton County. Et puis j'ai déposé mon bulletin de vote dans une boîte. Pardon ? Quand même, que les choses peuvent avancer, mais vous avez décidé, vous avez pris le parti de voter il y a de ça quasiment 3 semaines alors. Voilà, c'est ça. Vous aviez juste, pour à titre indicatif, il y avait combien de votes, c'est-à-dire entre les gouverneurs, les juges, les sénateurs, les représentants et les... Je ne peux pas vous dire, il y avait... Alors, une foultitude, je dirais qu'en tout, on répond à peu près, je ne peux pas vous dire exactement, mais probablement 15 à 20 questions, 20 questions. D'accord. Et puis il y a aussi, alors donc il y a les élections, et puis il y a aussi, il y a des questions d'impôts aussi. Donc les électeurs peuvent choisir oui ou non, donc la ville de Cincinnati et le comté de Hamilton doivent payer pour une levée d'impôts particulière. Là, par exemple, il s'agissait d'une levée d'impôts pour un fonds d'urgence pour les écoles publiques de la ville de Cincinnati. D'accord. Alors, ça suscite pas mal de questions, effectivement, le vote par correspondance et par avance aussi, puisque c'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas habitué en France. Est-ce que, cette année, Gabriel l'a rappelé tout à l'heure, c'est près de la moitié du corps électoral, je crois, qui a voté par avance. Quelle est la proportion habituellement? Et puis, est-ce qu'il faut une raison particulière pour voter par avance? Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est par courrier, par internet? Vous avez déposé, donc vous avez dit votre bulletin dans une urne, mais est-ce que ça change selon les États? En fait, donc encore une fois, c'est
Ça dépend absolument donc de chaque État et de chaque comté. Donc, par exemple, il y a des États qui permettent de voter par correspondance. En fait, ici, dans l'Ohio, on peut voter par correspondance depuis le 6 octobre. Donc, il y a d'autres... on peut aussi... Une autre possibilité, ça a été de voter en personne, mais par avance. Donc, ce n'est pas le vote par courrier, c'est le vote où on peut se présenter en personne, mais c'est avant le jour des élections. Et par contre, il y a des États juste en face. Je sais que dans le Kentucky, on peut voter par courrier, mais il n'y a pas d'option pour voter en personne par avance. Les proportions sont absolument... Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est incroyable les proportions que ça a prises, évidemment, avec la situation sanitaire. Bien sûr. Il y avait une autre partie de la question, et Loïc, et je ne sais plus ce que c'était. Je suis désolée. S'il fallait des raisons particulières pour voter en avance. J'ai tendance à dire par correspondance, mais en avance. Ouais. Alors, pareil, ça dépend. Alors, pas ici dans l'Ohio. En plus, il y a des États qui ont changé leur législation pour ces élections en particulier, pour permettre à tout le monde de le faire, vu la situation sanitaire. Mais sinon, oui, en principe, il y en a quelques-uns, je ne peux pas vous les nommer exactement, mais il y a quelques-uns des États qui demandent... et des comtés qui demandent donc un justificatif en fait pour pouvoir voter en avance. Mais il y a des législations qui ont été changées vu la situation absolument extraordinaire de cette élection. Et de fait, c'est ce qui explique alors pourquoi il y a autant de monde cette fois-ci qui a voté par avance. D'habitude, c'est beaucoup moins que ça. Ouais. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais absolument. Ouais. D'accord, merci. Le Covid a dû évidemment beaucoup jouer dans le vote par correspondance. Les gens avaient peut-être peur d'aller se mélanger. Merci. Jeanne, vous restez avec nous. On va bien tout sûr. De suite aller voir Andrea qui est exactement dans la même pièce. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que vous soyez toujours à la traduction, mais peut-être couper votre micro et vous référer au micro d'Andrea? Ouais, je crois que c'est ça qu'on va faire. Je vais me mute, moi, je vais m'éteindre mon micro. Bon, je vais vous mute tout de suite, on va éviter les... Hello, Andrea. Hi. Hi. Can you hear Hi. Us? Hi. Thank you. Bonjour. Bonjour. Thank you very much for being here on this day so important for your country. How are you doing? I'm doing fine. This is a very exciting day. It's going to be an interesting day of, how should we say, excitement, whether we're going to be, depending upon who you're supporting, you'll be happy or sad. But there will be much drinking going on throughout the day once we know the results. So. Je ne sais pas si, Jeanne, vous avez pu entendre ce que nous a dit Andrea, mais elle nous disait ouais. Donc, bien sûr, est-ce que vous souhaitez que je traduise ou... Bien sûr, je vous en prie. Ouais. Alors, Andrea nous explique que ça va être une journée particulièrement intéressante pour le pays, que ça dépend évidemment de pour qui on a voté, qu'il y aura de la joie ou de la tristesse, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle prévoit beaucoup de boissons alcoolisées, voilà, de part et d'autre, et pour qui que ce soit. OK, très bien. Andrea, l'Ohio... Dans le Midwest, 7e État le plus peuplé, on l'a dit, 18 grands électeurs, c'est important. C'est un swing state. On n'a pas eu l'occasion de dire avec Jeanne ce qu'était un swing state, ce qu'était un safe state. Un swing state, c'est un État où voilà, les démocrates comme les républicains peuvent gagner. À chaque fois, c'est un État qu'il faut aller chercher. Je rappelle l'élection il y a 4 ans. C'est Trump qui a vraiment écrasé Hillary Clinton avec 8 points d'écart. Cette année, ça risque d'être beaucoup plus serré. Andrea, in 2016, Trump won the Ohio election by 8 points. It is a lot. This year, is it going to be way more close in Ohio? Oh, it's going to be very close. Right now, Biden and Trump are dead even. In the state of Ohio, so it could go either way, depending on who has worked the hardest to get out the vote. Got it? Sorry.
Pardon, ça me prend toujours une petite minute parce que pour mieux l'entendre, je retire mon micro. Juste pour traduire, Andrea confirme absolument que ça va être une élection extrêmement serrée pour l'OIO et que ça pourrait passer d'un camp ou un autre. And Andrea, again, you said this depends on It's 50-50. They're both dead even, so it depends on who has gotten the most voters out will win Ohio. En fait, c'est véritablement la personne qui a été capable de mobiliser le plus d'électeurs qui l'emportera pour l'Ohio, selon Andrea. On va jeter un coup d'œil aux sondages dans l'Ohio. Ils sont extrêmement serrés. Selon le premier institut de sondage qui s'appelle 538, Donald Trump serait devant avec 1,5 point d'avance sur Joe Biden. Selon Real Clear Politics, c'est très serré, c'est 0,6 points, mais toujours pour le républicain. Et selon le New York Times, Trump pourrait l'emporter avec 2 points d'avance. Le quotidien new-yorkais avance même que si la fiabilité des sondages était aussi faible qu'en 2016, le président républicain pourrait avoir jusqu'à 9 points d'avance. Andrea, qu'est-ce qu'on peut penser des sondages? Est-ce que c'est un indicateur ou il faut plutôt se méfier? What should we think about the polls? Are they to be trusted? Yes. I think the polls can be trusted. I think it gives a good indication how people are leaning. Absolument. Elle pense, Andrea pense qu'on peut faire confiance en fait aux sondages et qu'il donne, il nous donne en fait une bonne indication du camp dans lequel ça pourrait balancer. Donc ça va être très serré. On appelle l'Ohio, le surnom de l'Ohio, c'est l'État baromètre. Parce que lors des 13 dernières élections, l'Ohio a toujours voté pour le futur président. J'ai une autre statistique comme ça assez intéressante. Jamais un président républicain n'a gagné les élections sans l'appui de l'Ohio. Est-ce que Donald Trump peut se permettre de perdre l'Ohio? Andrea, can Trump lose Ohio and still win the White House? Yes. Ohio is a common assumption that if you win Ohio, you win the White House, but there are enough states in play that he could lose Ohio and still win. Alors, Andrea, en fait, nous explique ici qu'absolument, aucune hésitation ici, le président Trump pourrait tout à fait perdre l'Ohio et toujours se retrouver, emporter l'élection et rester à la Maison-Blanche. Et elle souligne, en fait, pour nous, qu'il s'agit d'une une idée préconçue, commune, de penser que l'Ohio pourrait le seul État en fait qui détermine l'élection, qui a suffisamment d'autres États en place qui font que il serait tout à fait possible pour Trump de perdre l'Ohio, mais de toujours gagner la Maison Blanche. D'accord, donc il peut se le permettre. Il y a une catégorie d'électeurs qui compte dans ces élections, c'est ce qu'on appelle les soccer moms. Ce sont des mères de famille américaines qui passent beaucoup de temps à s'occuper de leurs enfants, à les accompagner aux entraînements de football notamment, d'où leur surnom. Ce sont des femmes de classe moyenne, elles vivent en banlieue résidentielle. C'est un électorat très convoité dans l'Ohio et qui, selon un sondage réalisé récemment, sont 66% à désapprouver la politique de Trump alors qu'elle l'avait plutôt plébiscité en 2016. Donc, les soccer moms, est-ce qu'elles peuvent faire basculer l'élection dans l'Ohio? Andrea, can the soccer moms tilt the elections? Yes. I believe that so much has occurred because of Trump's comments and actions and behaviors. The constituents who have supported him in the past, especially the soccer moms, he has told their attitude
support him has totally shifted, that I think they will be a deciding factor in this election, along with the young people who have come out to vote, who didn't vote last time because Bernie Sanders was not the presidential candidate for the Democrats last time. So I believe that they are a winning factor of how they react to Trump and what they're going to do to vote. Absolument. Les soccer moms, les mères qui font du football avec leurs gosses dans les banlieues américaines pourraient tout à fait, sont un facteur absolument décisif pour l'élection américaine, et elles pourraient tout à fait faire basculer l'élection dans un camp ou dans l'autre. Donc il y a pas seulement les soccer moms, il y a aussi les jeunes personnes, des jeunes électeurs, qui n'avaient pas voté il y a 4 ans et qui iront voter pendant cette élection. Ça, c'est aussi un électorat à côté des soccer moms, un électorat qui sera décisif. Plutôt en faveur de Joe Biden, est-ce qu'on peut avancer ça? Pour les jeunes. Oui, pour les jeunes qui n'avaient pas l'âge légal pour voter en 2016. Andrea, would you say that those young people that you're talking about that didn't vote 4 years ago but are going to vote this time, would you say that they're likely to vote for Joe Biden or they're likely to vote for Donald Trump? That's the question. You said that's a good question. It's a very good question. I think they're going to vote for Joe Biden because the young people who are engaged now grew up with President Obama. So they have an example or a role model of what a president is supposed to be like. Trump either meets that expectation or they're reacting to the fact that that's not what you're supposed to be like, and they're going to vote against what they see and go for something better. Vous m'entendez? Oui. Ok. Bon. Ouais. Oui, Andrea pense que ces jeunes électeurs, en fait, sont plus, iront davantage voter a priori pour Joe Biden que pour Donald Trump. Ces jeunes électeurs ont eu l'expérience de grandir donc avec Obama comme président, et ont eu en quelque sorte l'expérience d'une grande différence entre Obama et entre Donald Trump. Et la question, c'est Trump réussit à faire en fait aussi bien que autant de choses pour les jeunes que Obama l'avait fait ou non. Et dans ce cas-là, les jeunes iront voter pour Joe Biden. Et c'est une question très intéressante. C'est ce qu'elle disait au début, pardon. Certains observateurs redoutent une montée des violences après les élections un peu partout aux États-Unis, mais précisément dans l'Ohio. Est-ce qu'on peut craindre des affrontements dans certaines grandes villes de l'Ohio, donc Cincinnati, mais aussi Cleveland? Andrea, some experts worry about mounting violence after the elections. Should we fear armed conflicts in some of your state's biggest cities? You know what? It depends on who wins. That's the best question, because I've gotten a press release already of someone preparing the protests tomorrow if Trump prevails or declares an early victory. So I think there is a 50-50 chance of some type of conflict occurring if Donald Trump prevails. But to the extent of where cities have boarded up their windows and things like that, I don't think it's going to be that bad, but I think people will be angry if they don't get the outcome they want. It just depends who's going to be happy and who's going to be sad. I think there's going to be more happy people tonight than sad, though. I'm being optimistic. And you're right.
Alors, Andrea, elle veut être, elle dit qu'elle veut être optimiste pour les résultats de ce soir. La réponse à la question, en fait, c'est ça dépend, en fait, de, selon elle, de qui va remporter du résultat, en fait, de l'issue des élections. Il y a certaines personnes, en fait, qui ont déjà prévu de manifester, en fait, demain, ici, à Cincinnati, qui ont déjà donc lancé des appels, en fait, à manifester demain si l'élection est contestée, en fait, et si Trump l'emporte. Donc, elle pense que c'est vraiment 50-50. Mais en même temps, elle dit que si on imagine vraiment des très, très grandes scènes de violence, ici, dans l'Ohio, ça n'est pas probable d'après elle, même s'il pourrait y avoir donc des gens mécontents. Mais elle ne prévoit pas des scènes de violence très puissantes ici dans l'Ohio. D'accord. Les élections de 2016 ont tellement surpris les analystes qu'aujourd'hui, rares sont les pronostiqueurs. Pourtant, vous nous avez dit, ça va être 50-50, vous nous l'avez dit plusieurs fois. Andrea, je vous pose la question, pouvez-vous vous risquer un pronostic? Qui va gagner les élections? Andrea, last question but not least. Would you like to risk a forecast for us? Who will win this year's presidential elections? Like I said before, it's 50-50, but I'm going to quote 538 and go with what they're predicting, and they're leaning toward Biden winning. And so I'm going to lean, Nate Silver is a prominent proponent of, well, I should say a prominent pollster in America. So I'm going to lean the way he's been leaning, and I'm just going to say Biden based on him. All right. Alors, pour éviter les échos, j'essaie de jongler entre les deux micros. Jeanne, il faut... Alors, donc, elle pense, en fait, Andrea, que ce sera Joe Biden. Elle suit de près les résultats des enquêtes et des sondages de 538, qui est donc un groupe important aux États-Unis qui fait donc des sondages électoraux et qui indique que ce serait Biden. Donc, si Andrea devait donner un pronostic aujourd'hui, ce serait en faveur du candidat démocrate. D'accord. Bon, écoutez, voilà, on a réussi à avoir un pronostic. Loïc, vous avez peut-être une question de la part de nos internautes? Alors, il y avait effectivement une question de Jules Vincent qui demandait si c'était pour elle l'élection la plus tendue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Is it this time the most tense election since World War II? Yes. Americans are on edge. There is an underlying anger based upon our leaders have not done an effective job, not only reacting to basic issues for quality of life, but for handling the pandemic. There are a lot of people who are financially at risk right now, have lost their jobs. They could lose their homes, their apartments. They fear for their lives. And for that matter, the responsibility of handling this has not happened. And I think within the last three, four weeks, you've seen a shift of people's reaction to our leadership and handling this, especially now with France, with Germany, and with England all having to shut down because of their rising numbers. You don't see that here. And everyone's afraid, they're fearful. I mean, people are getting in fights because they're not putting on a mask. People are being yelled at, they're being removed off of planes. So, sorry.
Oui, absolument. Elle pense que c'est une élection incroyablement tendue et qu'il y a une énorme colère en fait qui est sous-jacente ici aux États-Unis et que les gens en fait ont peur et que ça résulte en fait dans cette colère. Et en fait, la question de la gestion de la pandémie ici, du Covid-19, a créé énormément de difficultés. En Europe, pareil, hein, de difficultés donc économiques et vitales. Et il y a énormément de gens qui ont perdu leur emploi, perdu leur sécurité économique la plus basique et qui ont peur de mourir. Et il n'y a pas eu en fait de véritable prise de position, responsabilité fédérale dans la gestion de cette crise sans précédent. Et en particulier, en fait, là, de voir en fait dans les semaines dernière, la façon dont les pays européens gèrent la crise, en Europe de l'Ouest, font que ça fait une différence en fait énorme entre la façon dont la crise est gérée en fait en Europe et ici aux États-Unis. Et donc Andrea dénonce clairement là le manque de responsabilité fédérale dans la gestion de la crise. Loïc, beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère, c'est ce qu'elle décrit. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de colère. On le voit ici depuis la France, c'est un peu effrayant de voir ce que ça peut donner. Apparemment, c'est moins le cas dans l'Ohio, mais quand même, c'est vrai que ça déchaîne les passions, ces élections. Loïc, peut-être une question ou on peut libérer ces dames? Alors, on peut libérer. Je pense que les prochaines questions qui nous restent pourront être posées effectivement à Alexis Buisson, qui sont des questions plus générales et qui concernent moins l'Ohio. Thank you very much, Andrea. Thank you very much, Andrea, for joining in. Wish you a very good day. I hope to see you maybe for the next election. Thanks a lot. Thank you. Thank you. All right. Merci beaucoup, Jeanne Strauss-Degout, pour à la fois votre intervention, vos explications, votre traduction. Voilà, on n'avait pas forcément prévu que les micros pouvaient comme ça s'entrechoquer, mais on s'en est bien sorti. Voilà, on a un peu jonglé entre les deux. Merci beaucoup d'avoir été là, Jeanne, et à la prochaine. À la prochaine, avec grand plaisir. Et puis, un grand coucou à Nancy. Je voudrais juste dire que la Lorraine et Nancy ont une place particulière dans mon cœur. Je suis parisienne, en fait, mais j'ai des ancêtres et de la famille à Nancy. Et j'aime beaucoup Nancy. Voilà. Donc, bonjour Nancy et merci. Eh bien, Nancy vous rend bien le bonsoir. Merci beaucoup, mesdames. Alors que à bientôt. Au revoir. Avec beaucoup de fluidité, on va passer tout de suite à New York. Bonsoir, Alexis. Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bonsoir Nancy. Bonsoir Nancy. Alexis, vous n'êtes pas de Lorraine, vous, je crois, non? Non, je suis de la région parisienne, des Yvelines. D'accord. Vous êtes à l'heure actuelle à New York, Alexis. Donc, vous êtes journaliste français. Ça fait 13 ans que vous êtes aux États-Unis, c'est ça? 15 ans même, 15 ans. 15 ans, que le temps passe. Ouais. Ça fait, j'ai l'impression d'être arrivé hier, mais c'est vrai qu'en 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Et voilà, j'espère que vous appréciez mon fond d'écran. C'est pas la vue de chez moi, hein, mais ah bon, d'accord, je n'ai pas trop de vent à cette altitude. Pas de problème, ça va, ça s'accorde avec le paysage très montagneux de Loïc. Et c'est du vrai, hein, chez moi. Il n'y a pas de problème. Bravo. C'est pas Nancy, mais c'est les Vosges, c'est tout près. Voilà, c'était pour avoir un petit pendant à Skyline. Pour la Lorraine, on est toujours dans l'Est. Loïc, un petit regard sur votre CV. Donc, vous êtes correspondant pour La Croix, principalement. Le Point, Mediapart, entre autres. Je crois que vous allez aussi animer le live La Croix un peu plus tard, vers 22h, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vais alimenter le fil d'actualité, en fait. Mais pour La Croix et puis pour d'autres médias pour lesquels je travaille.
J'ai fait un petit tour des bureaux de vote à New York. J'en reviens là il y a simplement une demi-heure pour un peu prendre le pouls. Même si à New York, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, comme on sait dans quel sens la ville va voter. New York, c'est démocrate. Ça a toujours voté démocrate depuis 1988. Néanmoins, c'était comment l'ambiance dans les bureaux de vote ce matin ? Je dois dire qu'il n'y avait pas grand monde, en fait. Il faut voir que les New-Yorkais votent pour la première fois de manière anticipée depuis le 24 octobre. C'est la première fois que les New-Yorkais ont cette possibilité de pouvoir voter avant Election Day, qui est aujourd'hui, donc le 3 novembre. Le vote anticipé, c'était une manière de désengorger hein, les bureaux de vote dans un contexte de Covid qui est toujours très, très présent ici. Et donc, j'ai fait le tour en fait, de plusieurs bureaux de vote avant Election Day, quand les New-Yorkais votaient de manière anticipée, et les files d'attente étaient très importantes. Alors, c'était un peu un trompe-l'œil parce qu'il y avait moins de bureaux de vote, mais il y avait aussi énormément d'enthousiasme, en fait, et un enthousiasme que j'ai revu, reconstaté ce matin dans les bureaux de vote, avec des électeurs qui sont à la fois très motivés. Le mot qui est revenu le plus souvent ce matin dans la bouche des électeurs, c'était vraiment changement, change. Ils ne veulent plus de Donald Trump. Ils ne voulaient déjà pas de Donald Trump en 2016, mais ils en veulent encore moins. Et il y a véritablement New York, c'est la ville natale de Donald Trump. Donc pour beaucoup de New-Yorkais, ça a dû... Ils ont du mal à le vivre encore, mais c'est surtout une ville qui est, comme vous le savez, une ville monde, avec des dizaines, voire des centaines de nationalités, etc., qui simplement ne s'accordent pas avec les politiques anti-immigration de Donald Trump. C'est une ville qui a été malheureusement l'épicentre du Covid aux États-Unis, Covid que Donald Trump n'a pas su gérer, en tout cas selon beaucoup d'électeurs. Quoi qu'il en dise. Véritablement un sentiment ici qu'il faut tourner la page, qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'ai parlé à plusieurs électeurs qui sont des immigrés, qui ont des membres de leur famille qui n'ont pas de papier, qui se demandent, qui ont peur aujourd'hui pour l'avenir de leur famille. J'ai parlé avec des enseignants qui ont peur d'aller à l'école ou qui se demandent comment ils vont pouvoir enseigner dans un contexte de pandémie. Donc, il y a à la fois de l'énergie, de l'enthousiasme et aussi de la peur sur l'issue de ce scrutin. Donc, on le savait, vous nous le confirmez, New York vote très, très bleu, très démocrate. On sait que dans d'autres États, c'est beaucoup plus rouge. C'est vraiment polarisé. Je crois que le mot qu'il faut souligner, c'est vraiment la polarisation de la société américaine. Les États républicains sont de plus en plus républicains. Les États démocrates sont de plus en plus démocrates. La carte du Sénat, donc deux sénateurs par État, c'est une bonne illustration de cette polarisation. Il n'y a pratiquement plus d'États ayant un sénateur dans chaque camp. Il n'y en a que 8 sur 50. On l'a dit aussi, le caractère exceptionnel de ces élections, les records dans tous les sens, le Covid. Alexis, selon certains médias, les États-Unis n'ont pas connu d'épisode aussi mouvementé dans leur histoire depuis 1968. Et 1968, je vous le rappelle, c'est Martin Luther King, c'est le Vietnam, ce sont les émeutes, c'est Nixon. Vous êtes d'accord avec cette idée que voilà, la société américaine, elle n'a jamais été polarisée, en tout cas pas depuis 1968 ? J'ai posé la question à différentes personnes en fait, que j'ai pu interviewer ces derniers mois, et c'est vrai que beaucoup disent qu'il y a beaucoup de parallèles hein, entre 1968 et 2020. C'est comme vous le disiez, hein, des années où la société américaine est plongée dans beaucoup d'incertitudes. Alors, il y avait l'offensive du Tet en 68 qui était une défaite américaine au Vietnam. Il y a également l'autre point commun, alors le point commun, on pourrait faire un parallèle avec peut-être la guerre, on va dire, contre le Covid, hein, que les États-Unis sont en train de perdre, quoi qu'en dise Donald Trump. Ce sont également des années où il y a énormément d'énergie militante. Vous avez beaucoup de gens qui n'ont, aux États-Unis qui n'étaient jamais descendus dans la rue, qui n'avaient jamais manifesté, qui aujourd'hui
s'engagent dans des associations, vont manifester, rejoignent des causes. Et ça, il y a une énergie qui est très similaire apparemment à celle de 68. Et bien, il y a bien sûr aussi le parallèle des tensions raciales qui sont très, très vives aujourd'hui comme en 68. Après, il y a quand même une grosse différence, c'est que en 68, Nixon avait utilisé son discours de la loi et de l'ordre pour être élu. Donald Trump essaye de jouer la même carte aujourd'hui et ça ne marche pas. Et pour exactement les raisons dont parlait Andrea Carter plus tôt, les fameuses femmes de banlieue, les housewives, hein, comme on les appelle, qui rejettent ce discours en fait de la loi et de l'ordre. Donald Trump dit qu'il va les protéger contre des violences, etc. Et elles ne croient pas à ce discours, en fait, tout simplement parce que les banlieues ont, c'est une longue histoire, mais ont évolué démographiquement, etc. Et ne sont plus les mêmes. Donc, ce discours de la loi et de l'ordre ne marche plus aujourd'hui. Et puis, contrairement à 68, les démocrates sont très mobilisés, très unis derrière leur candidat à la présidentielle. Humphreys en 68 avait été investi dans un contexte très houleux. Ce n'est pas le cas de Joe Biden. On sent, contrairement à 2016, où les démocrates étaient très divisés, là, cette fois-ci, il y a très peu de dissidence, on va dire, au sein du camp démocrate. Donc, des similitudes aussi, il y a pas mal de différences quand même. Mais sur la polarisation, absolument. Oui. Vous parlez de la très, très grande mobilisation des gens. On sait aussi que y a les ventes d'armes en hausse, les armes sont vendues, il y a beaucoup, beaucoup d'armes qui sont vendues, tous les records sont battus à ce niveau-là. On a la désinformation, on a les gens qui vont manifester dans les rues, on a les deux camps qui sont très motivés, on a l'impression qu'ils veulent en découdre. Est-ce qu'on peut craindre un scénario vraiment dystopique où la montée des violences va être inévitable, Alexis ? C'est difficile à dire à ce stade. Moi, j'ai très peur. Bon, pour quelqu'un qui a été ici pendant 15 ans, et pour reprendre ce que disait Andrea plus tôt, on sent vraiment que la société est à cran pour plein de raisons. Et ce qui est, pour moi, très inquiétant, c'est que démocrates et républicains ne vivent pas dans le même monde, n'ont pas les mêmes références médiatiques, ils ne regardent pas les mêmes médias, ils vivent dans des bulles très séparées, en fait. Et les deux camps, quand on parle à des supporters de Donald Trump ou des supporters de Joe Biden ou d'autres démocrates, ce qui est frappant, c'est qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux l'impression que l'autre camp est un ennemi, est une menace existentielle pour le pays. Et moi, ça me fait peur. On voit déjà que c'est des tensions qui créent des crispations dans tout le pays. Il y a déjà eu des morts à cause de ces tensions. Je pense à Carl Rittenhouse, qui est ce jeune Américain de 17 ans qui a tué deux manifestants de Black Lives Matter dans le Wisconsin au mois d'août. Vous avez à Portland des tensions entre des groupes d'extrême droite et des groupes antifascistes qui sont très actifs dans la région. Vous avez dans le Michigan une tentative de kidnapping qui a été déjouée par le FBI, une tentative de kidnapping qui visait la gouverneure démocrate de l'État. Donc vous avez beaucoup de signes de crispation et qui peuvent déboucher. Moi, je crois, quel que soit le vainqueur de l'élection, je pense qu'il peut y avoir des tensions, enfin des actes de violence, peut-être de manière isolée, peut-être à plus grande échelle, je ne sais pas. En tout cas, à ce stade, je suis inquiet. Et ça encore, c'est quel que soit le vainqueur de l'élection, quelle que soit l'ampleur de la victoire, il y aura énormément de volatilité. Alors, quelques questions qui nous viennent des internautes, peut-être, qui rebondissent un peu sur tout ce que vous avez dit là, qui est à la fois passionnant et terrifiant en même temps, vous le dites bien.
Le fait que ce soit tellement polarisé, que certains États soient complètement acquis aussi, comme c'est le cas à New York, est-ce que quand même à New York, du coup, les gens se sentent un peu enfermés dans un choix parce que ben voilà, New York va être pris par les démocrates, donc les démocrates y vont peut-être sans grand enthousiasme et les républicains en étant déjà battus, ou est-ce qu'au contraire, la polarisation fait que il y a quand même une motivation plus importante à le faire. Et puis pour la suite, vous l'avez dit, est-ce que Trump envisage sérieusement de ne pas reconnaître l'élection? Est-ce que même, nous demande-t-on, serait-il tenté par un coup d'État ou après une défaite? Ouais, bonjour Loïc, déjà, et merci pour toutes ces questions. Pour répondre à la première question sur New York, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que même si New York ne compte pas, entre guillemets, n'est pas un swing state, n'est pas un État qui va faire une grande différence, il y a énormément de motivation de la part des électeurs. Et c'est une motivation qu'on voit ailleurs dans le pays, dans l'électorat démocrate. Donc même si les électeurs savent que leur vote ne va pas faire une grande différence finalement au collège électoral, ils vont quand même aux urnes parce que l'acte de voter a pris une nouvelle dimension depuis 4 ans. Et ce qui revient aussi beaucoup dans la bouche des électeurs, c'est que il ne s'agit pas simplement d'élire Joe Biden, il s'agit d'une certaine manière de sauver la démocratie, de sauver le pays tel qu'on le connaît. Et donc l'acte de voter est très important dans ce contexte-là, mais aussi rejoindre une association, mais aussi voilà, ça fait partie de d'où le mouvement côté républicain. Effectivement, je dirais que les supporters de Donald Trump, je pense qu'il faut nuancer un peu le soutien républicain à Donald Trump. Il y a ceux qui le soutenaient en 2016. Et qui sont encore plus motivés aujourd'hui. Et ça, pour qui les 4 années qui ont passé ont simplement confirmé le fait qu'ils avaient fait le bon choix, et eux, ils sont encore plus motivés qu'il y a 4 ans, à la manière des démocrates qui sont encore plus motivés qu'il y a 4 ans. Et puis, vous avez aussi, quand même, dans le Parti républicain, beaucoup de républicains qui quittent le parti, en fait, qui ne se reconnaissent pas dans le parti qu'a créé Donald Trump. Et c'est là qu'on va voir, en fait, dans les résultats, à quel point ils l'ont fait. Il y a quand même beaucoup de gens au sein du Parti républicain. C'est un grand parti, c'est un parti qui a beaucoup de nuances aussi, hein, même si on a tendance à l'oublier. C'est un parti avec des gens plus ou moins conservateurs, des gens plus ou moins modérés. Donc, il y a aussi un certain nombre de républicains qui appellent aujourd'hui publiquement à voter pour Joe Biden. Est-ce que Donald Trump... Pardon, oui, je ne voulais pas vous... Du coup, j'allais rebondir là-dessus, mais c'est peut-être... Ouais. Parce qu'il y a une autre question qui peut-être permet d'être compléter ça. Tout le gradient qu'il peut y avoir chez les républicains, on parle beaucoup depuis peu du mouvement QAnon. Quel rôle est-ce qu'il peut jouer dans cette élection? C'est très difficile à dire. Moi, QAnon, j'ai rencontré beaucoup de républicains qui n'y croyaient pas. Après, je sais que dans certains des meetings de Donald Trump, il y a des gens qui défendent ces théories du complot, qui s'affichent avec la lettre Q dans ces meetings directement. Tu peux rappeler à nos internautes ce qu'est justement ce mouvement? Ouais, QAnon, c'est une théorie du complot qui est née sur Internet, qui veut que, en gros, Donald Trump ait été placé au pouvoir pour casser un cercle de pédophiles satanistes.
qui comprend notamment des démocrates et puis d'autres célébrités. Donc c'est bien évidemment complètement extravagant, complètement faux, tout ce que vous voulez, mais il se trouve effectivement que certains au sein du Parti républicain défendent cette théorie, ou en tout cas en partie. Alors, ce qui est intéressant pour répondre peut-être à la question, Loïc, c'est que il y a aujourd'hui des candidats qui, au sein du Parti républicain, sont candidats dans des courses locales à travers le pays, voire même au Congrès national, donc au Congrès des États-Unis, qui ont défendu publiquement cette théorie, en fait. Et il y a notamment une candidate qui s'appelle Marjorie Taylor Greene en Géorgie, qui pourrait faire son entrée au Congrès, qui est quasiment certaine de faire son entrée au Congrès pour représenter une partie de la Géorgie, et qui a défendu dans le passé cette théorie. Alors, je ne sais pas si ça sera un moteur du vote, puisqu'à ce stade, les gens qui votent pour Donald Trump ou les gens qui votent pour des candidats qui portent les idées de Donald Trump n'ont pas besoin de la théorie du complot pour voter pour eux. Mais en tout cas, ce qui est inquiétant, c'est de voir que cette théorie complètement folle aura peut-être demain des représentants, au moins une représentante au Congrès, et puis peut-être dans les parlements d'État ou dans des postes plus locaux. Merci beaucoup. Alors, je vous ai fait du coup un peu digresser du chemin sur lequel vous étiez, qui était plutôt sur le... Mais c'est très, très intéressant aussi d'avoir ces informations-là, effectivement, sur QAnon, sur le chemin qui était celui de, après l'élection, alors est-ce que reconnaissance par reconnaissance, coup d'État Ouais. Alors, il est imprévisible, hein, Donald Trump. Il a dit qu'il a laissé entendre... en tout cas, certains de ses conseillers ont laissé entendre qu'il pourrait même déclarer la victoire dès ce soir aux États-Unis s'il voit qu'il est en avance, ce qui paraît complètement fou, mais à ce stade, voilà, il est vraiment capable de tout et des choses les plus imprévisibles. J'aimerais bien vous dire voilà ce qu'il va faire, mais c'est vrai qu'on vit tous un peu dans l'incertitude ici, quoi. Alors, un coup d'État, il y a des gens qui s'y préparent, il y a des associations aujourd'hui qui forment les citoyens américains à comment réagir en cas de coup d'État. Ce sont des différents groupes qui font partie de la résistance anti-Trump et qui ont créé des formations sur comment gérer un éventuel coup d'État électoral de Donald Trump au cas où il se maintiendrait au pouvoir. Et moi, mon sentiment, c'est que si j'espère qu'il y a encore des gens autour de lui, dans les quelques conseillers qui lui restent, parce qu'il en a viré beaucoup, qui pourront le raisonner, qui pourront peut-être le... lui faire comprendre s'il perd, hein, parce qu'il n'a pas encore perdu, qu'il a quand même une présidence historique en 4 ans. Il a réussi à faire beaucoup de choses, et c'est peut-être quelque chose dont on peut reparler, mais parfois on a du mal à voir tout ce que Donald Trump a réalisé en 4 ans. Peut-être s'il s'accroche, peut-être qu'il acceptera de partir. Beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur à quoi vont ressembler les prochains jours et les prochaines semaines ici. Il est quand même assez unique, ce personnage. On va revenir sur son programme, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit qu'il allait faire, parce qu'il n'a pas annoncé grand-chose de nouveau, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans son mandat. Je reviens sur les soldats qu'il a encore, les gens qui l'entourent. Peut-être parler de Mike Pence, son vice-président, qui lui est un peu l'anti-Trump, hein. Il est toujours calme et il est plutôt courtois. Est-ce que justement c'est pas un peu grâce à Mike Pence que certains républicains continuent à voter républicain, parce que on a l'impression que Mike Pence tient un peu en laisse Donald Trump? Je sais pas si il le tient en laisse. En tout cas, moi, Mike Pence, pour moi, c'est une énigme. C'est la personne la plus proche du président. C'est la personne qui pourrait prendre sa place si jamais il advenait quelque chose à Donald Trump.
Et il n'y a pas eu une seule division ou public entre les deux hommes, en fait. Ils ont toujours fait bloc. Et Mike Pence, c'est un homme politique chevronné qui est en politique depuis longtemps. Il a été gouverneur de l'Indiana. Et c'est celui dans le couple qui permet d'attirer l'électorat de la droite chrétienne, en fait, parce que lui-même est un chrétien conservateur. C'est en grande partie pour lui que les évangéliques votent encore pour Donald, ou plutôt ont accepté en 2016 de voter pour Donald Trump. Et donc, oui, c'est. Mais c'est vrai que c'est une énigme. Lui, Mike Pence, est toujours très. Il s'efface toujours face à Trump et le soutient mordicus, même dans ses actes les plus fous. Mais bon, Mike Pence est un candidat possible pour 2024. Il en a en tout cas l'étoffe. Il y a aucun souci là-dessus. Et encore une fois, ouais, il est essentiel pour continuer à mobiliser la base évangélique ou la base des chrétiens conservateurs, qui est très importante au sein du parti républicain. Moi, je l'avais trouvé vraiment impressionnant lors du débat contre Kamala Harris, vraiment très calme, très posé, tout l'inverse de Donald Trump, en fait. Ouais, c'est deux personnalités complètement opposées. Mais politiquement, ça marche. Parce que Donald Trump apporte à tout cet électorat évangélique, chrétien conservateur, tout ce dont ils ont rêvé, que ce soit le déplacement de la capitale américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et surtout, la nomination de juge conservateur à la Cour suprême, qui est un point très important pour les évangéliques américains, en tout cas les évangéliques blancs américains. Bien sûr, vous nous disiez justement tout ce qu'a fait Donald Trump. Il y a ça notamment, il y a la nomination d'un juge conservateur ouvertement contre l'avortement, donc en la personne de Amy Coney Barrett qui est donc arrivée il y a trois semaines, quelque chose comme ça. Ça, c'est à mettre au crédit pour les républicains de Donald Trump. Absolument. Et il n'y a pas qu'elle. Il a nommé au total trois juges conservateurs à la Cour suprême, et ce qui est plus difficile à voir, c'est que à côté des nominations à la Cour suprême, qui sont très médiatiques et dont tout le monde parle, le président est aussi chargé de nommer des juges dans les échelons inférieurs de la justice fédérale, donc les cours d'appel et les cours locales. Qui sont très importantes aussi pour interpréter la Constitution. Et Donald Trump, dans ce domaine, a été d'une efficacité redoutable, puisqu'il a nommé plus de 200 juges conservateurs à différents échelons de la justice fédérale. Et c'est un record, ou en tout cas, il est en deuxième position dans l'histoire récente américaine, derrière Jimmy Carter, qui je crois, en a fait... un peu plus que lui, en fait. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui était très important pour les républicains, que Donald Trump leur a donné, et qui est une raison pour laquelle beaucoup de ses électeurs votent encore pour lui. Et juste pour bien comprendre, parce que c'est un peu technique, mais c'est passionnant et très intéressant, mais ces juges conservateurs, qui sont donc dans les échelons inférieurs de la justice fédérale, tranchent tout un tas de dossiers, que ce soit le droit de vote, que ce soit le droit des travailleurs dans les entreprises, que ce soit effectivement l'avortement, que ce soit le Second Amendment qui garantit le droit à avoir une arme à feu. Et donc ce sont ces cours-là qui sont... en premier ressort, chargé de trancher ces dossiers-là avant qu'ils ne remontent peut-être par le jeu des appels jusqu'à la Cour suprême. Mais la Cour suprême, elle ne tranche même pas 100, elle tranche 80 cas par an. Donc, ces cours inférieurs sont
aussi importante, j'ai envie de dire, que la Cour suprême, qui se saisit finalement que de très peu de cas chaque année. Donc voilà, ça fait effectivement, c'est là, selon moi, la grande réussite de Donald Trump, parce que je rappelle que ses juges aussi sont nommés à vie, que lui a nommé des juges relativement jeunes, qui ont 40-50 ans, et donc il va marquer de son empreinte pendant des décennies, pendant des générations, le système judiciaire fédéral. C'est important de le rappeler, d'autant plus que la Cour suprême pourrait peut-être avoir un rôle à jouer dans ces élections, alors qu'on se demande même où est sa neutralité, on se demande si elle est politisée, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. Et puis elle est politique, hein, de toute manière. C'est vrai qu'il y a un peu un jeu aux États-Unis où voilà, on fait mine que les juges sont neutres, etc. Mais comme le disait, je crois que c'était Andrea ou peut-être notre intervenante plus tôt, certains juges sont élus à l'échelon local. La Cour suprême, effectivement, il y a des juges qui sont plus ou moins conservateurs, plus ou moins progressistes, qui ont des interprétations plus ou moins rigides de la Constitution américaine. Et donc, on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus faire comme si c'était une institution neutre, en effet. Messieurs, je vous propose de jeter un petit coup d'œil au sondage. D'ailleurs, je rappelle à nos internautes qu'il y a un petit sondage à nous, à notre sauce. Si vous voulez voter, allez-y, il y a 5 possibilités. Et puis, vous pouvez également poser des questions. C'est non pas sur le chat, mais c'est questions-réponses. Voilà, vous posez vos questions et Loïc choisit les plus pertinentes et on les posera à Alexis. J'en profite pour dire qu'il y a un certain nombre de questions qui attendent, mais que je garde pour la suite, puisqu'on essaie de chapitrer un petit peu la discussion, et vous inquiétez pas, hein, il y en a certains qui attendent que leurs questions soient posées. J'y reviendrai, je referai quelques salves de questions à Alexis tout à l'heure. D'accord, on fait comme ça. Juste les sondages, bon, on va passer rapidement. Hein. On sait que Biden est devant, donc là je parle vraiment au niveau national. L'écart, les courbes ne se croisent pas depuis le retrait de Bernie Sanders. L'écart varie entre 5 et 10 points. Le match semble plié, voilà, en théorie, sauf que bon, on s'en rappelle, en 2016, on pensait que, eh ben non, Trump a surpris tout le monde. Donc, bon, encore une fois, là, c'est vraiment un indicateur à prendre avec beaucoup de prudence. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un démocrate qui vous dira franchement, Joe Biden va gagner. Hein. Ils sont encore très, très traumatisés par l'expérience de 2016 et par le choc de 2016. Moi, je rencontre beaucoup de républicains aussi qui disent qu'il y a un vote caché pour Donald Trump. Alors, les instituts de sondage ont fait des ajustements sur leur méthodologie. Ils ont changé de méthodologie sur certains points. Donc, a priori, eux ne se font pas trop d'inquiétude sur l'existence d'un vote caché, mais. Moi, je suis un peu pareil que j'étais il y a 4 ans, j'étais dans au QG d'Hillary Clinton pendant la fameuse soirée électorale du 8 novembre et j'ai vu beaucoup de gens allongés par terre, regarder le plafond, pleurer, s'enlacer. Et donc, je mesure le traumatisme et je comprends qu'ils ne veulent pas s'avancer cette année en tout cas. En sachant que Donald Trump a demandé à ses supporters de ne pas répondre aux instituts de sondage, voire même de mentir, de ne pas dire. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est un point, effectivement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai plusieurs personnes m'ont dit ça. Ouais, ouais. Donc, vraiment faire attention avec les sondages qui annoncent depuis des semaines et des semaines que Biden va gagner facilement. Il y a aussi ceux, Gabriel, si je puis me permettre, qui s'inscrivent sur les listes électorales en tant que démocrates et qui sont en fait républicains et qui vont voter pour Joe Biden. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi sur le terrain. C'est très difficile de voir à quel point ça sera déterminant, mais je suis sûr que ça existe. Ce genre de comportement existe. Et inversement, puisqu'il est quand même beaucoup question
de cuisine électorale, et vous avez dit tout à l'heure, une partie importante de la stratégie de Trump est destinée à sa base électorale. On a l'impression que ce n'est pas tant pour gagner des électeurs qui se baseraient sur un bilan, par exemple, en termes économiques, mais plutôt, effectivement, toutes les questions autour de l'appareil judiciaire dont vous avez parlé. Est-ce qu'à l'inverse, certains électeurs pourraient le lâcher? Isabelle nous demande, est-ce que les riches retraités de Floride pourraient lâcher Trump et faire basculer l'élection, par exemple? Alors oui, il y a beaucoup, il y a des chiffres certains électeurs qui ont changé de camp. Alors la Floride est un exemple intéressant, effectivement, les retraités de Floride, ça fait partie de cette population qui avait voté pour Joe Biden, pour Hillary, pour, pardon, Donald Trump en 2016 et qui aujourd'hui se déporte plutôt sur Joe Biden. Moi, j'avais visité il y a deux mois, un endroit qui s'appelle The Villages, qui est la plus grande communauté de retraités aux États-Unis, qui se trouve en Floride. Et là, les démocrates, alors. C'est un endroit très trumpiste, il y a des drapeaux pour Donald Trump, il y a des gens qui se baladent avec des pins pro-Trump, etc. Mais les démocrates sont en train de progresser. J'ai parlé à plusieurs retraités qui avaient l'intention à l'époque de changer de camp. Et ça, c'est bien sûr lié au Covid, mais aussi à la personnalité du président qui divise. Il y a aussi... j'étais dans l'Arizona récemment, un État que Donald Trump a gagné d'une courte avance en 2016. Et là, dans l'Arizona, vous avez des républicains. C'est un État qui est plutôt républicain, mais vous avez beaucoup de républicains modérés qui se considèrent même indépendants, en fait. Et j'ai parlé à beaucoup d'électeurs qui changeaient d'avis, en partie à cause du Covid, mais aussi le style de Donald Trump. Beaucoup de républicains ne se reconnaissent plus dans ce président. Donc, effectivement, il y a des électeurs qui ont... dans les gens qui votent Biden, il y a des républicains qui ont changé de camp. Il y a des démocrates qui ne sont pas allés voter en 2016, qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et qu'ils doivent aller voter. J'ai parlé à des électeurs qui n'avaient pas voté depuis très longtemps, qui n'étaient même pas inscrits dans l'un des partis, et qui aujourd'hui vont voter Biden. Donc, il y a une redistribution, on va dire, des cartes. La Floride, messieurs, c'est 29 grands électeurs. C'est énorme. Et la Floride est l'un des swing states sur lesquels les regards se portent, parce que voilà, on se dit que ça peut se passer là. Et effectivement, l'électorat plutôt âgé pourrait faire payer à Donald Trump sa gestion du Covid. Est-ce qu'on peut en parler, ça, peut-être? Est-ce que le Covid, c'est ce qui peut faire perdre les élections à Donald Trump? Ouais, moi, j'en suis convaincu. Hein. Quand on fait des sondages, on se rend compte que le Covid est la préoccupation majeure avec l'économie. Quand Donald Trump refuse de mettre un masque ou qu'il minimise le Covid, moi, je trouve vraiment, en parlant avec, en ayant voyagé dans différents endroits du pays, et en particulier dans les swing states, je trouve qu'il est en décalage avec le pays là-dessus. Il y a plus de 200 000 morts aux États-Unis de cette maladie, il y a des millions de personnes infectées, il y a des commerces qui ont été fermés, il y a des gens qui ont basculé dans la pauvreté, qui étaient dans des situations précaires, voire stables avant la pandémie, et qui maintenant se retrouvent à faire la queue dans des banques alimentaires pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir des repas gratuitement. Et quand il voit le président du pays minimiser la crise, ça passe pas. Il y a des personnes qui sont décédées seules à l'hôpital parce qu'elles ne pouvaient pas, leurs proches ne pouvaient pas leur rendre visite. C'est très personnel pour les gens ici. Et,
Et donc, moi, je trouve que Donald Trump, là-dessus, est en décalage par rapport à son pays. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc oui, je suis convaincu que ça peut le faire perdre. Ouais. Et ce qui est pardon, Gabriel, je ne voulais pas te... Non, mais allez-y, on peut se tutoyer après tout. Oui, c'est vrai. Si tu veux poursuivre, Non, non, je... Ouais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se rendent compte que le pays ne peut pas continuer comme ça, tout simplement, et qu'il faut, pour relancer l'économie, il faut déjà stabiliser le virus, en fait. Et Joe Biden, c'est ce qu'il propose, avec justesse, me semble-t-il. Est-ce que là-dessus, justement, il y a des questions? Alors, on nous demande, y a-t-il aux États-Unis des questions sur le traitement anti-Covid dont a bénéficié Trump? Et inversement, ça c'était 702-273 qui posait cette question, et Juliette nous demande, les Américains trouvent-ils que la crise sanitaire, au contraire, est bien gérée en Europe? C'est de bonnes questions. Alors, sur la première question, oui, le traitement que Donald Trump dont il a bénéficié, c'est un traitement expérimental, donc il n'est pas disponible à la population dans son ensemble. C'est un traitement qui coûte très cher, et beaucoup d'Américains, même s'il y a eu des progrès ces dernières années, ne sont pas assurés. Donc, s'ils devaient avoir le même traitement, ça leur coûterait très cher. Donc, effectivement, il a été très critiqué là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu encore ce matin. Quelqu'un m'a dit que si lui tombait malade, si lui tombait malade, il ne pourrait pas tout simplement avoir accès au même traitement que Donald Trump. Et donc, voilà. Bon. Et la deuxième question, pardon, c'était sur les... Oui, la gestion en Europe. Les gens, on va dire, qui s'intéressent à la situation en Europe, effectivement, pensent que la situation a été mieux gérée en Europe. Tout simplement parce que voilà, il n'y a pas de déni de la réalité et de la dangerosité de ce virus, alors même si, en tout cas de la part des dirigeants, quoi, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, malheureusement. Vous savez quoi, messieurs, Donald Trump a encore réussi à vampiriser notre conversation. On parle beaucoup de lui et on parle pas de Joe Biden. C'est quand même incroyable. Je Ouais. profite de ça pour justement embrayer sur ce que propose Joe Biden pour endiguer le Covid. Alors lui, il propose des tests gratuits pour le Covid. Il veut pas ramener l'Obamacare, mais il veut quand même apporter un système de santé. Il veut quand même apporter quelque chose, hein. Oui, il veut améliorer Obamacare, en fait, qui avait différents défauts, mais qui reste quand même très, très apprécié. La question de la santé avec le Covid est devenue encore plus importante. Et donc, effectivement, par rapport à Donald Trump qui veut abroger Obamacare et la remplacer par quelque chose dont on ne sait pas trop à quoi ça ressemblerait pour l'instant. Joe Biden, lui, va complètement dans le sens inverse, a dit qu'il faut au contraire renforcer Obamacare et étendre la couverture, l'assurance santé à encore plus d'Américains. Donc ça, c'est bien sûr un discours qui parle beaucoup aux Américains en temps de pandémie. Mais effectivement, oui, Joe Biden parle de créer des tests gratuits. Il veut obliger en quelque sorte la population à mettre des masques, puisque aujourd'hui c'est un patchwork de régulation, hein, dans tout le pays. Alors ça, c'est pas facile à faire. Hein. Lui-même le dit d'ailleurs. Hein, au bout du bout, dans le système fédéral américain, ce sont les États qui décideront, mais ça peut aussi être les villes qui peuvent ajuster, en fait, ces réglementations sur le port du masque. Donc là, on va voir. Là encore, pour moi, c'est une incertitude. Est-ce que Joe Biden va pouvoir convaincre ces gens qui ne voulaient pas porter le masque de le faire? Et va-t-il passer par
en quelque sorte des méthodes plus autoritaires pour le faire. Et ça, pour moi, ça, c'est encore une grande inconnue. Toujours parmi les autres. Pardon, excuse-moi, Gabriel. Non, la priorité aux internautes, bien sûr, vas-y. Sur la question du programme de Joe Biden, justement, alors moi, sur la partie Covid, mais pour en revenir justement aux questions judiciaires qui étaient posées tout à l'heure, Catherine sur Facebook nous demande est-ce que Biden a une réforme de l'appareil judiciaire dans les tuyaux ? J'imagine qu'il est entendu étant vers une justice plus indépendante. Ben, en fait, lui, il a un peu louvoyé là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était question qu'il augmente le nombre de juges à la Cour suprême de manière à diluer l'impact en fait de la nouvelle majorité conservatrice à la Cour. Et là, il a fait machine arrière il y a quelques semaines en disant qu'il allait créer une commission qui explorerait en fait la manière de réformer la justice fédérale et la Cour suprême. Donc, pour l'instant, là-dessus, il est pas clair. Et je trouve que c'est pas propre à Joe Biden. Les démocrates sur la question de la Cour suprême et de la justice fédérale ne sont pas bons. Tout simplement. Les républicains approchent la nomination de juges de manière très militaire, quasi militaire en fait. Et depuis des décennies, ils se mettent en tête de nommer des juges conservateurs dans toutes les cours. Et les démocrates n'ont pas... J'ai interviewé un professeur de droit, qui m'a dit qu'ils étaient beaucoup plus polis là-dessus et qu'ils osaient beaucoup moins en fait. Et là, je trouve que Joe Biden tombe un peu dans cet écueil-là. Après, lui, il dit que on voit aussi que dans le contexte de tension actuelle, augmenter le nombre de juges à la Cour suprême créerait énormément de tensions dans le pays, en particulier chez les électeurs de Donald Trump. Et je comprends aussi que Joe Biden n'ait pas envie d'ajouter de l'huile sur le feu dans le contexte actuel. Parmi ces autres mesures, donc on l'a dit, test gratuit du Covid, prêt aux petites entreprises, hausse du salaire minimum à $15. Ça, c'est quand même une grosse mesure, puisque aujourd'hui, ouais. Je crois que c'est $7.25, en tout cas, c'est la moitié, le salaire minimum. On dit beaucoup que la grande qualité de Joe Biden, c'est l'art du compromis. Je crois que cette mesure, il l'a prise à Bernie Sanders. Et est-ce qu'on peut dire que là, vraiment, tout son art du compromis s'exprime dans cette mesure qui touche les salaires minimums ? Oui, tout à fait. Joe Biden, à la différence d'Hillary Clinton, a compris qu'il devait donner des gages à Bernie Sanders et à l'aile gauche du Parti démocrate. Ce que Hillary Clinton n'a pas fait ou pas assez fait en 2016, et ça s'est retourné contre elle, avec beaucoup de supporters de Bernie Sanders qui ont voté pour un candidat tiers ou qui ne sont pas allés voter du tout. Donc là, les démocrates, et en l'occurrence le candidat investi Joe Biden, a retenu la leçon, et sur effectivement plein de sujets différents, il a travaillé avec la campagne de Bernie Sanders, avec des gens qui étaient actifs dans sa campagne, et a fait différents compromis. Effectivement, l'augmentation du salaire minimum fédéral à $15, c'est une illustration de cette dynamique, en effet. Certains États, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un salaire minimum fédéral, donc c'est un plancher, et un plancher pour tout le pays. Certains États ont déjà commencé à augmenter leur salaire minimum et sont déjà parfois au-dessus, bien au-dessus de $10 ou des $7 actuels. Donc dès lors qu'il y aurait un salaire minimum fédéral, tous les États devraient augmenter leur salaire minimum, en fait. C'est un peu technique, mais c'est comme ça que fonctionne le système fédéral. Il y a déjà un État qui a élevé le salaire minimum à $15. Alors, c'est une colle, c'est très possible, mais il faudrait vérifier. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je préfère rien vous dire. Mais il y a beaucoup d'États qui ont effectivement augmenté de manière progressive leur salaire minimum, voire même des villes, hein, puisque les villes aussi peuvent choisir unilatéralement d'augmenter le salaire minimum
voilà, dans leur juridiction. Sur l'international, une question de Jules qui nous demande, beaucoup disent que Biden ne changera rien à l'international, que ce soit sur le dossier de l'ambassade ou de la capitale, je pense qu'il veut dire de Jérusalem ou de l'ambassade, oui. Ou même pire, avec des déclarations plus belliqueuses sur la Chine envers Taïwan. Et j'ajouterais une question plus personnelle du coup, est-ce que la politique extérieure a un rôle dans l'élection présidentielle? Pour répondre à cette dernière question, moi je trouve que oui, et je trouve que c'est assez intéressant. Moi, j'avais jamais vraiment entendu ça avant. La question de la Chine, la Chine est très évoquée, et je ne parle pas des candidats, mais par la base des deux partis. Donc, comment gérer la Chine? Est-ce que c'est une menace ou au contraire un allié? Est-ce qu'il faut la punir du fait de son inaction perçue sur le Covid? La question, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que parmi les supporters de Donald Trump, il y a beaucoup d'entre eux mettent en avant ce qu'il a fait au Proche-Orient, par exemple, et les différents accords qu'il a noué avec récemment. Donc, effectivement, moi je trouve qu'il est beaucoup question les guerres commerciales, bien évidemment. Ça revient assez souvent finalement dans les interviews. Alors, est-ce que ça sera déterminant? Je suis pas comme je le disais, vraiment le Covid est dans tous les esprits ici, la situation économique du pays est vue comme une préoccupation majeure. Sur la politique internationale, moi, je suis pas un expert pour tout vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en parlant à différentes personnes qui s'y intéressent, ils disent qu'il n'y aura pas de changement majeur en fait, et que les Européens, notamment avec l'Europe, parce que les Européens quand même ont évolué. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Et ça, vous pouvez certainement peut-être mieux l'analyser que moi, mais il y a eu certainement une prise de conscience autour de la nécessité d'être moins dépendant des États-Unis. Et je pense que Joe Biden, s'il est élu, devra composer avec cette nouvelle réalité. Donc, qui sait, en fait. Je pense pas que les choses pourront revenir en arrière comme elles étaient avant. Sur le point de la politique internationale, en tout cas, Joe Biden a annoncé, s'il était élu, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris pour le climat. Oui, oui. Voilà. Ça c'est. Alors ça aussi, c'est aussi un marqueur important dont, et je te remercie de le soulever en fait. Beaucoup d'électeurs parlent de l'accord de Paris, que ce soit à droite comme à gauche. Les républicains disent que ça aurait tué l'économie américaine, mais en revanche, côté démocrate, c'est vraiment vu comme un retour des États-Unis en fait dans le jeu international. Et une manière finalement de tourner la page de l'ère Trump. Donc effectivement, oui, l'accord de Paris est devenu un marqueur très important dans la vie politique américaine. Juste un rappel, ni Biden ni Donald Trump d'ailleurs n'est tenu juridiquement d'appliquer son programme. Hein. Il peut tout à fait annoncer quelque chose et ne pas le faire. Tiens, on va parler rapidement d'argent, de sous. C'est la campagne électorale la plus chère de l'histoire des États-Unis et de très 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 loin, puisque c'est 14 milliards. Alors c'est les élections présidentielles et sénatoriales, hein, on l'a dit un peu plus tôt, il y a d'autres élections qui se font en même temps, mais c'est le double des élections de 2016. Alexis, comment est-ce qu'on peut expliquer une telle dépense, 14 milliards en ces temps de crise économique? Ça paraît quand même très 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 étonnant. Ça, ouais, ça paraît fou. Alors, les élections américaines coûtent toujours très cher, tout simplement parce que le territoire à couvrir est énorme. Donc, et vous avez énormément de dépenses, des équipes de campagne qui sont importantes. Vous avez aussi des colistiers qui font campagne. Donc, il n'y a pas juste le candidat pour la présidence qui fait campagne. Vous avez deux personnes qui font campagne. Donc, c'est des dépenses qui sont importantes, très importantes. Et je pense que ce qui fait la différence cette année, ça doit être les dépenses en digital, en publicité digitale. Comme il y a beaucoup d'opérations
de porte-à-porte qui ont été suspendues avec le Covid. Les campagnes investissent massivement dans, voilà, dans Facebook, dans différentes plateformes digitales. Moi, j'ai vous avez aussi l'émergence de toutes les plateformes de streaming et la télévision à la demande. Ça, ce sont de nouveaux supports qui ont émergé et qui font l'objet d'investissements importants de la part des campagnes. C'est sûr, on a l'impression que c'est une fuite en avant permanente. On va voir, je pense que cette élection, elle était tellement particulière pour plein de raisons. On va voir si dans 4 ans ou même dans 2 ans, hein, pour les élections de mi-mandat, si les chiffres reviennent un peu à la baisse. En tout cas, je suis d'accord, c'est des chiffres très impressionnants. Est-ce que les montants sont à peu près égaux entre les deux candidats ou est-ce que c'est le plus riche qui l'emporte ? J'ai pas regardé en fait les différents récemment. Donald Trump en tout cas avait des problèmes d'argent. La campagne de Donald Trump avait des problèmes d'argent puisqu'ils ont dépensé énormément d'argent. Et Joe Biden à l'inverse termine cette campagne avec plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui est bien en fait. Et tout simplement parce qu'il a bénéficié de levées de fonds importantes puisque les levées de fonds sont le nerf de la guerre ici aux États-Unis. En tout cas, ça peut paraître surprenant pour une campagne présidentielle comme celle de Donald Trump de terminer cette campagne avec peu d'argent. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et ce n'est pas une situation qui est très enviable, surtout les fins de campagne, les deux dernières, trois dernières semaines, c'est les moments où les campagnes dépensent le plus d'argent. Pour justement encourager les électeurs à aller voter, etc. Et donc Donald Trump s'est retrouvé dans une situation financière un peu difficile en fait. Donc on va voir si ça aura un effet. Ce qui me paraît important à souligner et quelque chose qui n'est pas forcément vu de France, c'est que les inscriptions de républicains sur les listes électorales ces dernières semaines ont très fortement augmenté et ont augmenté à des rythmes plus importants que les inscriptions de démocrates. Et ça, c'est en grande partie parce que les républicains, malgré le Covid, ont maintenu des opérations de porte-à-porte pour encourager les électeurs à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ça, en parlant à plusieurs sondeurs ou des personnes qui travaillent dans les campagnes dans différents États, ça c'est un signal qui pourrait être inquiétant pour les démocrates ce soir. Parce qu'il montre que les républicains sont très motivés et qu'ils pourraient en tout cas faire la différence au moment du vote à l'urne aujourd'hui. Les républicains très motivés, les républicains qu'on a vus dans des rassemblements, pas forcément avec le masque d'ailleurs, alors que Joe Biden, lui, il a fait des drive-in, c'est-à-dire que le était en voiture, chacun confiné dans sa voiture, on l'a vu. Ça nous ramène encore au Covid et ça nous ramène à un facteur qu'on peut peut-être évoquer rapidement, c'est le vote par correspondance. Donald Trump en a beaucoup pointé du doigt ça comme une source de fraude, alors que selon une étude du MIT, l'Institut du Massachusetts, il y a, je crois, 0,006% de fraude sur les élections des 30 dernières années. Enfin, ça a été prouvé que la fraude était vraiment minime. Le vote par correspondance, ça a vraiment réuni beaucoup de déchaîner les passions. Donald Trump a quand même dit qu'on n'aurait peut-être jamais les résultats à cause du vote par correspondance. Oui, tout à fait. Et c'est un vote qui a été très important cette année en raison du Covid. Il y a 65 millions de... Je regardais les chiffres un peu plus tôt. 65 millions de personnes, d'Américains, qui ont voté par correspondance cette année, ce qui est énorme. On pense que c'est essentiellement des démocrates à ce stade. Sur le vote par correspondance, ce qui est important à voir, c'est pas finalement le risque de fraude qui peut être
qui peut faire une différence, c'est le nombre de personnes qui feront des erreurs, tout simplement, oui, en remplissant le vote par correspondance. Parce que selon l'État où vous trouvez, c'est plus ou moins compliqué. Dans certains États, il faut avoir la signature d'un témoin sur les enveloppes, en fait, sur l'enveloppe du vote par correspondance. Il faut aussi parfois que cette signature correspondent à la signature qui est dans les registres électoraux. Et ça, ce n'est pas toujours le cas, puisque parfois, vous avez des signatures qui évoluent. Moi, ma signature, elle n'est plus la même qu'il y a 20 ans, par exemple. Il y a deux enveloppes, il y a certains critères à remplir pour mettre le bulletin dans la première enveloppe et dans la deuxième enveloppe, etc. Donc, et ça ne va pas de soi pour beaucoup d'Américains. Il y a des erreurs. Les États ne sont pas... Certains États sont tenus de recontacter les électeurs s'ils constatent qu'il y a un problème avec leur enveloppe, etc. Mais beaucoup d'États ne sont pas tenus de le faire. Et donc, ce que beaucoup de démocrates auxquels j'ai parlé craignent, c'est qu'il y ait effectivement beaucoup de votes par correspondance qui ne sont pas bien remplis et qui seront donc invalidés quand ils seront comptés. Et effectivement, l'autre chose importante à voir, c'est que les votes, selon les États, les votes ne sont pas comptabilisés au même moment. Donc les votes par correspondance, par exemple, en Floride, sont traités dès qu'ils sont reçus, ce qui fait qu'on pourrait avoir des résultats assez rapidement en Floride, mais ce n'est pas le cas en Pennsylvanie, où ils sont traités depuis aujourd'hui, voire même dans certains comtés de Pennsylvanie, ils seront traités dès demain. Et quand je dis traités, ce n'est même pas compté, c'est on vérifie que tout est bien, on les prépare pour qu'ils soient comptabilisés, en fait. Donc effectivement, il peut y avoir des décalages dans le temps entre le moment où les bureaux ferment et le moment où on aura effectivement les résultats définitifs. Avoir les résultats définitifs dans une élection américaine, c'est normal de devoir attendre. On ne les a jamais le soir même. Le soir même, on a des projections. Et parfois, selon l'État encore, puisque je rappelle que le vote, le processus de vote aux États-Unis est géré par les États et non par le gouvernement fédéral, les résultats définitifs arrivent parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard. Donc le fait que Donald Trump dise qu'il faut avoir les résultats tout de suite, etc., ça n'arrive jamais, en fait, même en temps normal dans une élection. Ce qu'on aura peut-être dès ce soir, ce sont des projections. Mais il faudra attendre en tout cas plusieurs jours pour avoir les résultats définitifs qui comptabiliseraient donc les votes par correspondance. Le maximum jusqu'où le suspense peut aller, je crois, c'est le 20 janvier 2021. C'est la date de l'investiture du nouveau président des États-Unis. Le suspense peut aller jusque-là, c'est possible. Il ne peut pas aller au-delà, on est d'accord ? Oui. Bah, en théorie, oui, ça peut se poursuivre. Je crois qu'en Floride, on avait eu en 2000, on avait eu les résultats à la mi-décembre. Hein, si ma mémoire est bonne, ça peut se prolonger. Alors, en général, quand il s'agit d'élections, les tribunaux fonctionnent très vite. Donc, les résultats, les décisions de justice sont prises très, très rapidement. Donc, je ne pense pas qu'on arrive jusque-là. Je ne suis même pas sûr qu'on arrive, qu'on soit dans un scénario à la Floride, à la floridienne, on va dire, en 2000. Quoi. Il est possible que la Cour suprême n'ait jamais à se prononcer sur l'issue de l'élection. Je crois que Andrea Carter disait très justement qu'il y a tellement d'États qui sont en jeu cette année et qui pourraient basculer dans le camp démocrate que finalement... il est possible que la Pennsylvanie, qui concentre un peu toutes les attentions aujourd'hui, finalement, soit pas si importante que ça. Quelques questions peut-être qui viennent de Facebook, alors qui nous renvoient un peu à la stratégie électorale, mais on n'est pas si éloigné que ça d'où on était juste avant. Deux questions de Marianne. Est-ce que Joe Biden n'a pas pris un trop grand risque? Ça rebondit un peu sur la question de l'accord de Paris tout à l'heure, hein, en annonçant sa volonté d'arrêter de se tourner vers l'industrie pétrolière.
risque de perdre donc des électeurs dans les États concernés, notamment comme le Texas. Ça, c'est pour l'élection. Pour après l'élection, les Républicains pourraient-ils faire un recours sur la base de la sénilité supposée de Joe Biden, qu'il n'arrête pas d'invoquer au cours de cette campagne. Et puis, une troisième question que je pose tout de suite, parce que je sais que voilà, Alexis a un autre live après nous, et je voulais la poser, puisqu'on a parlé de Mike Pence, le vice-président de Donald Trump. L'éventuelle vice-présidente de Joe Biden serait donc Kamala Harris. Quel serait son rôle Et Bertrand ajoute, son arrivée rapide à la Maison-Blanche est-elle plausible? Ça fait beaucoup de questions d'un coup et sur plusieurs thématiques. Ouais, je n'ai pas la réponse. Choisis la question. J'ai pas la réponse à la dernière question. Le rôle de Kamala Harris, le rôle de tout vice-président que leur donne la Constitution, c'est de remplacer le président au cas où celui-ci serait incapable d'exercer ses fonctions. Il n'aurait plus les facultés mentales ou physiques d'assurer ses fonctions. Ça c'est le rôle du vice-président de la Constitution. Le rôle informel, c'est d'agir un peu comme un conseiller pour le président. En tout cas, une fois que le président est élu, c'est ce que Barack Obama a dit à Joe Biden quand il l'a choisi comme son colistier. Il a dit: je compte sur toi pour me dire ce que tu penses, tu seras je compte sur toi pour me dire que tu as tort. Et apparemment Joe Biden a dit la même chose à Kamala Harris: je compte sur toi pour me dire quand j'ai tort, et vraiment être la, comme ils disent, the last person in the room, la dernière personne dans la salle, donc la dernière personne à qui le président va parler avant de prendre une décision potentiellement importante. Sur la sénilité, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est possible de faire un recours sur cette base là. Mais il faut voir que les deux candidats, l'état de santé des deux candidats inspire l'inquiétude, en fait. Et je pense que ça serait quand même mal vu. L'état de santé mentale de Donald Trump a été plusieurs fois mis en doute par les démocrates, mais aussi par certains républicains qui sont critiques. Je pense que aller sur ce terrain-là, ça serait quand même très malvenu de la part des républicains. Et j'ai oublié la première question qui était. C'était le risque dans des États comme le Texas, par exemple, prononcé pour une sortie du pétrole. Ouais, ça c'est sûr, l'éternel jeu de la politique. Donc on gagne des électeurs, on en perd ailleurs. Dans un état comme la Pennsylvanie, par exemple, où je suis allé, je ne suis pas allé au Texas, donc je peux moins bien parler de la situation au Texas, mais la Pennsylvanie, où l'industrie de la fracturation hydraulique est très importante dans l'ouest de l'état, ça c'est quelque chose effectivement qui est dans l'esprit des électeurs, et qui fait que beaucoup de démocrates en Pennsylvanie ont basculé dans le camp Trump en 2016 et vont continuer à voter pour lui en 2020. Est-ce que ça sera suffisant pour que Donald Trump conserve la Pennsylvanie? C'est pas évident. Il y a des dynamiques contraires aussi qui mettent cet État dans la balance et qui pourrait faire gagner Joe Biden. Dans le Texas, ce qui est intéressant, c'est que il y a une opposition à Joe Biden sur cette question du pétrole, mais c'est contrebalancé par des changements démographiques, notamment dans les banlieues. On en revient, parce que les banlieues sont très importantes dans cette élection, où vous avez des villes comme Houston ou Dallas, et les banlieues de ces villes qui sont en train de croître, notamment de la part de personnes qui viennent d'autres États, qui viennent d'États démocrates comme New York ou la Californie, et qui sont en train de transformer politiquement ces États. Donc,
Donc, je pense que ces tendances-là sont peut-être plus importantes que, qu'une opposition à, voilà, que, qu'une, qu'une position favorable, on va dire, à la sortie du pétrole, par exemple. Merci beaucoup. J'en profite, alors juste encore 30 secondes. Bien sûr. Venant de Facebook, on a des journalistes dans la salle, donc ça nous permet d'avoir des précisions. Catherine Créange qui nous dit que la date pour la fin du suspense, c'est le 14 décembre, jour de la réunion des grands électeurs. Ah oui, les grands électeurs, bien sûr. Oui, oui, et, tout à fait. Et puis Élise Descamps qui fait un salut amical. Tous les correspondants de La Croix sont avec toi, Alexis. C'est sympa. merci les amis. J'en profite, moi, pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé au débat et qui sont venus poser des questions, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Merci à vous toutes et tous. Mais... Je passe la parole à Gabriel. Allez, c'est l'heure des merci. On va remercier tout le monde dans tous les sens, mais d'abord, en premier lieu, merci à toi, Alexis. Merci, Gabriel. Merci pour l'invitation. La soirée continue. À retrouver Alexis sur le live de La Croix. Bonne soirée, bonne journée, bon courage pour la suite des événements. Ça va être très chargé. Et à bientôt, Alexis. Salut. Merci à vous tous. Merci pour vos questions. Ciao. Loïc, on va jeter un petit coup d'œil au sondage. Les sondages viennent de sortir, le petit sondage qu'on avait fait, nous. Hein, on ne vous parle pas du grand truc de 538. L'autre est beaucoup plus fiable. Enfin, on va voir. Voilà, les élections. Qui va gagner les élections américaines ? Joe Biden, qui gagne largement. On a 39% des votants, mais c'est Joe Biden dans un mouchoir de poche avec 43%. Et la victoire de Donald Trump est beaucoup moins pronostiquée par vous, chers internautes. Seulement 13% Donald Trump dans un mouchoir de poche. Donald Trump largement. On a une personne qui pense que ça va être le cas. Et puis, l'égalité... Personne ne pense qu'il va y avoir égalité, ce qu'on peut tout à fait comprendre. C'est la fin de la soirée américaine live, mais ce n'est pas la fin de la soirée électorale. Hein. On le rappelle, les premières estimations, vraiment les toutes premières, aux alentours d'une heure du matin, heure française. Les derniers bureaux de vote sur la côte ouest vont fermer à 4 heures du matin, heure française. Donc, pour les plus déterminés ou alors les insomniaques, vers 3 heures du matin, déjà, on va surveiller les résultats. Peut-être des swing states... qui vont nous donner des très bonnes indications sur l'issue de cette élection, puisqu'on aura probablement les résultats de l'Ohio, de la Caroline du Nord et de la Floride. Un grand merci à nos participants depuis les États-Unis, Jeanne Strass de Groot et Andrea Carter, qui étaient en direct de Cincinnati, Alexis Buisson en direct de New York. Merci également à Julien Broquet et Lina Bénis pour la technique. Merci à Patricia Durupt et Isabelle Hubert pour l'organisation. Un merci tout particulier à Juliette Lenoir, la chef. Sans elle, rien n'aurait été possible. Merci bien sûr aux bibliothèques de la ville de Nancy. Merci à toi, Loïc Ballarini, pour ta contribution éclairée. Un grand merci à toi, Gabriel Bertrand, pour l'animation et la préparation sans faille de cette soirée. Sans faille, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été fait. On a réussi quand même à organiser, à tenir cette soirée, même si on l'a fait chacun chez soi confiné. Ça s'est tenu et j'en suis ravi. Merci à vous, chers internautes. Je vous souhaite une très bonne soirée.